Alors, on est en cortège, comme pour la Charlevoise, et on a quatre pas marchés en avant. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on s'écarte à l'extérieur, hein, on s'écarte et on se rapproche. Okay, et de nouveau, les quatre pas marchés. 1, 2, 3 et 4. On s'écarte et là, on se rapproche. On s'est écarté, on s'est rapproché. Soit vous êtes en couple de danse moderne, soit vous pouvez vous tenir par les mains, comme ça c'est plus facile. À partir de ce moment-là, on a deux pas marchés, c'est la deuxième partie. On a deux pas marchés, donc c'est le garçon qui recule. 1 et 2, et un pas polka, 1, 2, 3. Ensuite, c'est l'inverse, c'est la fille qui va reculer. 1 et 2, et un pas de polka. Après, il n'y a rien de compliqué, vous avez deux pas de polka, un dans un sens, un dans l'autre, je ne pose pas la question, c'est le pied qui est libre, et quatre pas pour tourner ensemble. Et c'est tout. 5. On y va une fois ensemble, on refait la même chose. 4 pas marchés, et 1 et 2 et 3 et 4, on s'écarte, on se rapproche. 1 et 2 et 3 et 4, on s'écarte et on tourne. Et je recule. Et 1 et 2 et 1 pas de polka. 1 et 2, un pas de polka. Ensuite, 2 pas de polka. 1 ici, 1 là. Et le tour à 2. On va rajouter la dernière figure, qui est simple, pour qu'on change de partenaire. C'est-à-dire que les deux pas de polka, ici, et on va faire passe tourelle de la fille sous le bras gauche du garçon qui va avancer donc devant et on récupère la fille qui se trouve derrière. En plus, c'est-à-dire qu'il y a une fois, on tourne avec sa partenaire, un tour à deux, et la deuxième fois, on change de partenaire.